Yo les potes, dans la vidéo précédente, je vous parlais du manque d'activité de la chaîne. Eh bien sachez qu'avec l'arrivée de Temporis 4, qu'on attend tous, et au vu des spécificités du serveur, je vais pouvoir vous concocter pas mal de petites vidéos Forge Magie très sympathiques, une fois que ma progression sur le serveur sera assez avancée. Si vous vous demandez pourquoi, la réponse est très simple. On pourra dropper tous les items du jeu sur tous les mobs du jeu, ce qui veut dire qu'on aura une génération d'items qui sera abusée, et donc beaucoup de concassage et beaucoup de runes, et du coup la forge magie sera beaucoup plus accessible. Du coup il y aura peut-être moyen de vous proposer plein de brisages PA spécial Temporis 4, et ça c'est cool. Ok, alors avant de partir sur le brisage PA, je vais vous parler d'un truc dont j'ai absolument jamais parlé sur ma chaîne, hein, que personne ne connaît. Voici Red Shadow Legends. Comme vous ne connaissez absolument pas le jeu, voici de quoi il s'agit. Red Shadow Legends, c'est un jeu RPG à l'univers Dark Fantasy réaliste dans lequel vous ferez évoluer vos petits personnages en vous mettant sur la tronche contre des monstres, des boss et d'autres joueurs. Différents modes de jeu sont disponibles selon ce que vous souhaitez faire, comme le mode campagne ou alors du PvP dans le mode arène. Vous pouvez aussi rejoindre un clan pour jouer en groupe et tabasser d'énormes boss en mode guerre de clan. On a actuellement une nouvelle fonctionnalité sur le jeu qui s'appelle passe de bataille. Vous pourrez accomplir des défis quotidiens et hebdomadaires de passe de bataille pour gagner d'énormes récompenses comme des champions spéciaux, beaucoup d'XP ou des gemmes qui sont la monnaie la plus prisée du jeu. Le jeu est entièrement gratuit et accessible aussi bien depuis votre smartphone que votre PC tout en conservant votre progression puisque les deux plateformes sont liées. Téléchargez le jeu en cliquant sur le lien dans la description pour obtenir 100 000 pièces d'argent et le champion T-Sortilège gratuit. Attention toutefois, puisque le bonus est valable durant 30 jours, alors ne tardez pas trop à vous inscrire pour commencer avec un petit coup de boost. Une fois le jeu installé, pour récupérer le bonus, c'est très simple, il vous suffira de cliquer sur le petit coffre en haut à droite de l'écran sur le menu principal du jeu. Allez, va-t-on faire un brisage PA CST de guerre? Faisons quelques tentatives. Deux par deux. C'est très bien. Celui-là déjà. Voilà, parce que là, j'ai un putain de jet pour brisage PA. Il est insane, le jet pour brisage. Ah, fuck. Quel dommage. Ça me saoule. Je passe les runes comme ça. Et tiens. Tiens. Voilà, maraboutage. Terminé. Oh, suivant. Allez, deux tentats. Une. Deux. Toujours pas. Nope. Nope. Je crois que je vais jamais pouvoir exopé à cette merde. Nope. Allez, vas-y. Et non. Allez, deux tentats de plus. Et de une. Et de deux. Toujours pas. C'est parti. Et non. Et nique. Allez, comme ça, ça passe et je me casse après. Allez. Putain. J'ai envie de me coucher, moi, là. Crit. Oh putain les gars, 3, ah il est magnifique, il est putain de magnifique, oh il est monstrueux. C'est pas ça moi je fais, je vous emmerde. Voilà. Je m'en fous moi. Je m'en tape. Oh les gars j'ai eu chaud, jure. Oh les gars. Jure, le pel est passé, gros. Eh, à une rune, les gars. Enfin, mes amis, enfin, je peux vous proposer l'usage PA CST de guerre que je veux faire depuis le début, depuis qu'il est sorti, mais il y avait pas mal passé un PA dessus. Il y avait genre pas moyen. N'hésitez pas à saluer le magnifique chat qui est en furie ce soir, en furie, n'est-ce pas? Bref, go brisage. Hein. Arrêtez, les gars, je tourne, vous cassez les couilles. Comme vous n'êtes pas sage, vous êtes puni d'affichage sur YouTube. Voilà. Bon, bah, c'est parti pour le petit brisage. Hein. On va commencer direct par un crit, les gars. Direct. Ah, putain. Pas la bonne idée, ça. Non. Non. Mais quel enfer. Oh, bordel de merde, les gars. Ça va partir en couille. Ça va partir en couille. Oh, faut que ça crit, là. Ok, ça va. Ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est bon les gars, je suis revenu au point de départ, plus ou moins. On est pas mal. Là, on est pas mal. Ah oh, putain, faut que le crit crit aussi. Crit crit. Voilà. Ah, genre là, si le PA saute maintenant, c'est ok tiers en vrai. Hein.
Non! Non, 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 tout se casse la gueule, tout se casse la gueule! Non, ça va, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. J'ai 95 depuis. En vrai, ça peut passer. On peut potentiellement faire un 345-59 plus perf. Potentiellement. Sans trop de soucis. Si tout se passe bien, on a un perf 345-59. Niveau vita, on peut aller un peu au-dessus avec de la chance. Intelligence, ça me paraît très tendu. Possible, mais ça me paraît tendu. Genre, le plus safe, c'est de faire une raine, en fait. De 49 à 59. Bon, déjà, j'ai claqué une passa. Elle devrait crit si tout se passe bien. Voilà. Ensuite. C'est là que ça va vraiment commencer, du coup, parce que la passa, c'était quasiment évident. Il me reste le crit qui est dangereux à monter, mais il y a l'over-ra qu'il faut faire. 345, c'est bien. Ouais, mais il faut un perf aussi. On va go crit, je pense. Allez, go. 10. Oh, putain. 20. Ça va, on a encore 75. Je serais très très chaud de faire pain 49-52, rain 62, récrit, on descend à 60. Ensuite, on met la vie à 345. Et l'idée, ce serait d'avoir un G-perf avec 345 de vie. Grid l'intelligence me semble moins compliqué que de grid la vitalité. Enfin, un 60 Intel 345 sera plus beau qu'un 350-59. Je pense qu'on va faire ça, on va direct passer à ça. On va faire pain et rain directement. La pain devrait passer direct si tout se passe bien. Voilà. La rain, c'est moins sûr. On a encore 72. En fait, ce que je fais en premier, c'est les deux lignes lourdes. Sagesse critique. Ensuite, je fais l'over intelligence, parce que si je passe les lignes du bas tout de suite, l'item sera beaucoup plus lourd. Et du coup, l'over rain aura moins de chances de passer. Comme c'est un over. Donc du coup, l'idée, c'est de faire l'over rain en premier, et ensuite de monter dommage critique, dommage feu, résistance. Ensuite, vitalité. Et en dernier, s'il reste du puits, la sagesse. Pour t'amuser que de faire de l'argent. Oui, c'est ça. Si je voulais du fric, je ferais des exos dégueulasses. Voilà, on tente l'over. J'espère que ça passe en moins de 3 runes. 10. 20. Allez, là, faut pas que ça troll parce que là, ça peut me baiser tout mon brisage. Il me reste 52. 30. Ah, putain de sa mère. Il me reste 42, les gars. 42, ça devient très tendu. T'as signé? Oui, c'est déjà signé. Ça devient très tendu, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Sinon, on était sur un 59 et 59, c'est vraiment horrible, en fait. Allez, ça rentre là. Oh, putain, mais c'est pas vrai ça! Il me reste 32 là. 5, 10. Là, je suis baisé là. Si je chope pas au moins maintenant en crit ou en neutre, je suis baisé. Je suis genre. Je suis niqué. Je suis niqué. Allez, vas-y. Ok. Il me reste 22. C'est très, 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 très chaud. Il y a de grandes chances que ce soit niqué. Mais c'est encore possible. C'est encore possible. Ok, on récupère 2, on est à 24. On est à 24. 59, horrible. Oui, c'est horrible. Pour un visage PA. Il me reste 24. C'est niqué à 90%. Je pense. Moins 3. Moins 3. Encore 18. Ah, faut que la ravie crit, là. Faut que la ravie crit, y'a pas. Quoi? Mais quoi? Mais gros, c'est quoi ça? C'est quoi ça, sans déconner? C'est quoi cette merde? Vas-y, Nick. Tiens, Nick. Ça. Tiens. Fils de p***, là. Ah, tu sais quoi, il m'a saoulé. C'est quoi, il m'a saoulé? Il m'a saoulé, c'est bon. Il m'a gavé. C'est bon, moi, je suis gavé. Je veux plus voir cette merde. Allez, la mère. Tiens, prends ça. Ah putain, ça fait du bien. Ah. Je me sens apaisé. Je me sens bien mieux. J'oublie tous mes soucis. Je sais pas, c'est... Ça va te plaisir. Voilà.